L'alcoolisme, le tabagisme et la toxicomanie constituent un phénomène préoccupant dans de nombreux pays africains, dont le Tchad. Un phénomène qui a des répercussions non seulement sur la santé, mais influe également la qualité de l'éducation des enfants. Ainsi, dans le cadre de ses efforts dans la lutte contre la dépendance et pour promouvoir la santé publique, le ministère de la Santé publique, à travers sa direction de planification, de lutte contre le tabac, l'alcool et la drogue, renforce les capacités des enseignants sur le guide pédagogique. Une formation axée sur les méfaits du tabac, de l'alcool et d'autres types de drogue visant à créer une mobilisation collective, notamment contre l'usage précoce de ces substances. La santé de la mère, mais surtout celle des enfants, est l'une des actions prioritaires consignées dans le programme politique du chef de l'État. Pour atteindre cet objectif louable, qui, mieux que les enseignants, peut faire changer la mentalité des enfants, des adolescents, mais également des jeunes. Vous êtes le principal canal par lequel va réellement être touché. C'est pourquoi le ministère de la Santé publique a bien voulu renforcer vos capacités sur ce guide pédagogique qui est un outil technique afin que vous puissiez intégrer ce module dans vos différents enseignements. Représente un pas significatif vers la prévention des problèmes liés aux addictions. En dotant les enseignants de compétences approfondies et de ressources pédagogiques adaptées, le ministère de la Santé publique espère infléchir la tendance préoccupante de la consommation de tabac, d'alcool et de drogue dès le plus jeune âge et ainsi contribuer à bâtir un avenir plus sain pour les générations futures.